Good morgen, allez, Iden le sucera aujourd'hui, le Lonishmat Shimon ben Eliyahu Vekuka, ainsi que l'Irfuat Olivier sur les Shimon ben Chaya Esther, et tel Myriam Lea bat Sarah, Chaya Rivka bat Lea Ubna Anouladla, Sarah bat Nechama, Betor, Shar Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Psachim, Perik Bet Mishnah Vav, Ve Elu Yerakot Shadam Yosef ben Yedechovato Bapesach, Bachazeret, Uva Ulshin, Uva Tamcha Ubechar Chavina, Uva Maror, Yotzin Ba'en, Ben Nachin, Ben Yeveshin, Aval Lo Kvushin, Velo Shlukim, Velo Mevushalim, ou Misarvim le Kazait, Yotzin Bekelach Shelahen, ou Badmai, ou Bemaser Rishon Shinit la Tourmato, ou Bemaser Shinit Vehegdesh Shenivdu. En rapport avec la Mishnah précédente, on avait appris les espèces de céréales avec lesquelles on s'acquitte de la mitzvah de Matzah. On continue maintenant en découvrant les espèces avec lesquelles on s'acquitte de la mitzvah de Maror. D'accord? À Pessah, il faut manger la matzah et du Maror, la laitue, la salade verte. On va voir, en fait, la Mishnah elle nous explicite 5 espèces qui doivent nécessairement être des priyadama, d'accord, qui poussent de la terre, pas tout ce qui est mar, c'est des herbes amères, des herbes qui poussent par terre, quelque chose qu'on achète avec de l'argent, à exclure des herbes sauvages qu'on trouve de partout qui sont gratuites. C'est à peu près la règle qui découle de la Gemara. La Mishnah m'en dit, elle me dit comme ça. Velo yirakot shadam yosef ben yedechovato bapesach. Tels sont les légumes, donc les espèces, les végétaux, avec par lesquels Adam yosef de ben yedechovato bapesach, qu'un homme s'acquitte de son devoir à Pesach. Ba chazeret, chazeret, comme il nous dit le Barthénora, c'est en arabe, c'est hassa, c'est la hassa, comme en hébreu. Et les touga, les tu. En las, d'accord. Ensuite, Beulshin, regardez de nouveau, Baravi Handivi, c'est les endives. Ou Betamcha, alors là ça se complique, que le Tamcha il nous traduit ça par le. Il ne traduit plus. Il rappelle, le Barthénois rapporte que c'est un végétal qui pousse à proximité du palmier. Je ne sais pas ce que c'est. Ou Becharchavina, alors là on a un truc en arabe. Ça pourrait un peu ressembler au cresson, je ne sais pas. Al-Kretzaina. Et Oba Maror. Maror, alors là, il nous dit c'est une sorte de kousbar de coriandre. Coriandre, je crois que ça se dit, ouais. Kousbara. Mais qui est spécialement amer, d'accord? Maintenant, la Mishnah continue en précisant. Yotzin Ben, Ben Lachin, Ben Yeveshin. On s'acquitte avec ces espèces. Qu'ils soient lard, qu'ils soient frais, verts, ou bien Ben Yeveshin, même s'ils ont séché. Attention, précision importante. Et on distingue dans toutes ces herbes amères le cœur des feuilles. Les feuilles, elles doivent nécessairement être fraîches. Si elles ont séché, eh bien, on ne s'acquitte plus. Il faut nécessairement qu'elles soient fraîches. Par contre, le cœur de la salade verte, par exemple, même s'il a séché et qu'on le mange, on s'acquitte. C'est d'ailleurs les Ashkenazes qui prennent le réfort. C'est sec, d'accord? Je crois que c'est séché, quoi, en général, je ne sais pas exactement, mais... Avalo Gvushin. Mais on ne s'acquitte pas si elles sont kavouches, c'est que ça a été macéré. Entre parenthèses, on a parlé du réfort pour les Ashkenazes. Le Mishamora et les Lidalacha parlent longuement de ce problème. C'est que des fois le réfort il est très fort, comme son nom l'indique. Et le réfort, donc, l'usage il était un petit peu de le mettre à tremper pour qu'il perde de sa violence. D'accord? Du coup, ça pouvait poser un problème que s'il trempe trop longtemps. Je connais pas, j'ai pas regardé dans la ra combien de temps il faut pas. En tout cas, si on le laisse tremper un peu trop longtemps, alors on risque d'entrer dans le problème de kavouche qu'elle a été macérée. D'accord? Velo shlukin, on ne s'acquitte pas avec eux si on les a fait cuire. Velo mevushalin et qu'on les a aussi fait cuire. C'est deux sortes de cuisson en fait. Un légume qui est chalouk, c'est un légume qu'on a fait bouillir pendant longtemps jusqu'à qu'il a fondu. Et la Mishnah nous rajoute, et même mieux que ça, si ça a juste cuit. D'accord? Dès que ça a subi une cuisson. Que ce soit frais à l'état naturel, maintenant que ce soit, comme on a dit, les herbes qu'elles soient, les feuilles qu'elles soient vertes, et le kelach, le cœur, il peut même être sec. Ou mitzterfin et kazaït, tous s'associent pour former un kazaït. C'est-à-dire, c'est pas la peine de manger soit un kazaït entier de laitue, ou un kazaït d'endive, ou un kazaït de réfort, ou peu importe. Tu peux même prendre un tiers de l'un, un tiers de l'autre, un tiers de l'autre, un tiers de kazaït de chacun. Kazaït, c'est 27 grammes, centimètres cubes, c'est un volume plutôt. Donc tu peux prendre un petit peu de chaque et ils s'associent ensemble. Veyotzin bekelach shelahen, on s'acquitte avec leur cœur.
Ou bah de maille, on s'inquiète même aussi si c'est encore du de maille. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah précédente. Sur le. Il y a un interdit, mais les rabbanan, de manière générale, de consommer des légumes ou fruits qui sont de maille. De maille, c'est que c'était une production de quelqu'un qui n'applique pas bien les mitzvot, il les accomplit de manière très grossière, très légère. Et du coup, dans tout ce qui provient de chez lui, on a un doute, est-ce qu'il a prélevé le Tromot ou Maasrot comme il se doit ou pas? Alors la Mishnah m'enseigne que lorsqu'on a un doute, ça s'appelle du Dmaï. L'origine du mot Dmaï, c'est Da Maï, va savoir quoi, va savoir ce qu'il y a dedans, est-ce que c'était prélevé, va savoir ce que c'est. Et en général, on n'a pas le droit de manger, mais malgré tout, il y a certaines permissions qui ont été données. Dans certaines circonstances, on a le droit de manger, par exemple, celui qui est pauvre, et en l'occurrence, à Pessah, puisqu'on a la possibilité de se défaire de tous ses biens à n'importe quel moment, je peux me défaire de tous mes biens et devenir pauvre en une seconde, en fait. Donc j'ai la possibilité de le manger, donc du coup, on s'acquitte de ça avec le à Pessah. Ou bien Maaser Rishon, Shinit la Trouma, même renseigné dans la Mishnah précédente, si toutefois c'est un Maaser Rishon duquel on a prélevé la Trouma, Maaser n'est pas la Trouma Gdola, le même principe avec le Lévi qui est venu chercher avant d'engranger. Donc ça s'est pas fait imposer du Trouma Gdola, juste du Trouma Maaser. Et la Mishnah enseigne que même si c'était pas bien de procéder ainsi, on s'acquitte avec ça. Ou bien Maaser Sheni Vegdesh Sheni Vdou, ou bien même encore s'il s'agit des herbes qui sont Maaser Sheni ou encore Vegdesh qu'on a sanctifié et qu'on a consacré pour le Beth Amikdash, leur valeur eux-mêmes. Et du coup, on les a rachetés. Et lorsqu'on les rachète, il faut que tu rajoutes le cinquième. Et même si tu n'as pas rajouté le cinquième, le rachat a fonctionné pour que tu puisses maintenant les consommer et donc t'acquitter de ta mitzvah. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.